c'est-à-dire que ça raconte donc des événements non seulement qui se sont produits, mais auxquels Guillou a participé, puisque donc tout ça est sur fond de la grande histoire, dans le sillage du débarquement américain, des soldats américains évidemment commettent des... Il y a des crimes, il y a des délits qui sont commis, et la police militaire arrête, et la justice militaire juge un certain nombre de personnes. Et Guillou, qui parle anglais, va être engagé par l'armée américaine pendant un mois pour servir d'interprète. Et c'est un très beau livre de Guillou qui va écrire pendant une trentaine d'années, où progressivement, comme ça, émerge la question que Guillou finit par poser à un officier de la justice militaire américaine, s'apercevant que donc les accusés sont toujours des Noirs, mais pourquoi toujours des Noirs? Et malheureusement, une question qui reste la nôtre, puisque on l'a vu récemment avec l'affaire George Floyd aux États-Unis, le mouvement Black Lives Matter, en France aussi, avec l'affaire Adama Traoré, Michel Zecler qui est passé à tabac. Et la beauté du livre de Guillou, sans doute, c'est d'avoir donné forme à cette question, mais d'une façon très singulière qui fait qu'au fond, elle nous est adressée, c'est à nous d'y répondre.